Ouais, puis je t'attends. Sors, ressors là. Oui, je me mets, c'est comme ça que je profite. À la souffrance. Passe là. Ouais, là. On va d'abord venir terrible. On va arriver. Attention, vraiment attention, pas glisser. J'ai dû prendre des risques pour aller plus vite, mais à pousser avec ma grande foulée, j'ai glissé. Bon, j'ai essayé de me battre. Alors, grosse préparation pour l'année avec une belle saison proche, je pense. Grosse préparation pour un marathon de Paris en avril prochain. Voilà, le gros objectif sera le marathon de Paris, qui sera dans la préparation aussi pour les chevaux de France du 100 km. Comme l'année dernière, je l'ai pas fait, et cette année, je vais me relancer là-dessus. D'accord, marathon de Paris, donc ça sera à peu près le chrono que tu envisages. Envisage, j'ai essayé de partir avec la première féminine, et à l'entour des 2h22, 2h20, ce sera bien pour moi. Bien sûr. Et les 100 km qui auront lieu au Tillet, je crois, dans l'Indre. Voilà, c'est à Tillet où j'étais vice-champion de France, marathon. Pourtant, c'était long. Voilà. Ouais, longue ligne droite, hein, dur. Voilà, c'est ça, tout est long, ligne droite, tu m'as foulé à la. D'accord, ah bon. Voilà. Ok, très bien. Voilà, pas comme aujourd'hui sur les terres. Bravo, Frédéric. Vos applaudissements. Parce que. Super. Dur. Il fallait être très lourd le terrain. Très collant, tu l'avais déjà. Ah, c'est bien. Enfin, je te promets que c'est un risque de. Le troisième de cette année. Ah. Allez, 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 all